monstrueux encore une fois. J'espère que vous avez passé une bonne journée. T'as mangé quoi, numéro, dis-moi? Oh, c'était des restes ce Ah, soir. toi aussi? C'était une petite omelette avec. Omelette. Bah, du coup, avec des œufs et puis du jambon. Et voilà. Ouais, en même temps, tu m'aurais dit, ouais, c'était une omelette avec des pâtes et pas d'œufs. J'aurais fait quoi? Une omelette sans œufs, comment? Tu vois, t'as pas compris le principe de l'omelette, mon frérot. Et vous, les gens, vous avez mangé quoi ce soir? Une omelette pour moi aussi ce soir. Oh, comment ça va, Kélia? L'omelette est là. La team omelette, apparemment, ouais. Très bien. Bah écoute, tu veux commencer ou je commence? Des frites comme par hasard pour Haro. Bah Étrange. D'ailleurs, en passant, Haro, Joël, il m'a envoyé du coup un lien pour une teinture de cheveux temporaire. Et bizarrement, l'origine, c'est la Belgique. Alors j'ai un peu peur qu'il y a de l'huile de friteuse dedans. Je sais pas trop, mais je vais me méfier quand même, je pense. Hein. ça c'est pour le soin des cheveux en fait, c'est normal. Ouais. Ah oui, c'est pour le soin des cheveux. C'est comme comment ils appellent ça, la cire, etc., etc. C'est ça? Oui, c'est Ouais, pour ok, la protéger les laque. cheveux. Ok, d'accord. Très Ça bien. nourrit les cheveux. Ça nourrit les cheveux. Ok. Ok. Est-ce que vous entendez bien le numéro ou pas du tout? J'entends bien la musique du jeu, Ouais, perso. moi aussi j'entends bien, mais je pense que toi on t'entend pas assez fort. Ah, Alors voilà, attends. laisse-moi le temps de corriger cette. Ouais. Ah, pourtant, je suis bien à fond. Ah là, t'es pas plus à fond que à fond. N'avais jamais un pied en Belgique, je vais te péter. Oh là. Oh là. Numéro, j'ai peur. J'ai Oh, peur. t'as juste aller en Belgique, hein. Ouais, après, je suis un peu loin de la Belgique maintenant, quoi. C'est vrai que maintenant que tu le dis. Je vais baisser un peu le son du jeu, du coup. Si je trouve les options. Non. Ah oui, ça va. Ah. Oula! Voilà. Ah oui, mais non, attends, ils entendent plus rien. Bon, je vais le mettre à 10. On verra après si on fait quelque chose ou pas. Je vais le mettre à 124. Alors attends, retour. Campagne. Hitman 3. On était arrivé à l'avant-dernière mission. On était à la fin. Non, celle-là, on l'avait fait, celle-là. Attends, me Oui. dis pas qu'il reste plus qu'une mission. Deux missions. Il recommandait de terminer l'adieu avant d'accéder à ce coin. Bah, ils sont où les deux missions? Bah, c'était ça, l'adieu et intouchable. Attends, on l'a Comme vu cette cinématique. peut-être pas, je ne sais plus. Si, si, Et si. voilà, intouchable avec Omar Sy. Vieille habitude. En plus, tout à l'heure, on a eu une invitation de Belge. Du coup, fais gaffe. Une invitation. Une invasion. Ouh là là là. Oh putain. Une invasion de Belges, une invitation, qu'est-ce que je raconte? Une invasion de Belges, ouais, de ouf. Opération emmener Percy en Belgique activée. Ah oui. Non, 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 moi je vais pas en Belgique, moi. À part pour acheter des Léonidas. Et je retourne dans le nord le 20. Je passerai peut-être faire un tour en Belgique. Genre, je mets un pied au niveau du panneau pour la frontière, je fais « Je suis en Belgique !» On verra. De toute façon, normalement, faut que j'essaye de voir Auron quand je serai dans le nord. On essaye de se capter pour... Je les ai empoisonnés. Ah ouais, vous me détestez à ce point-là? C'est fou, quoi. Par contre, je parle, hein, mais je vois que la cinématique a commencé. Par contre, c'est un truc de ouf. Genre, j'avais eu deux boutons sur le nez à cause de ces putains de masques. Et en fait, genre, ils sont partis, mais il y a encore la trace. C'est un truc de ouf. Ton chier dessus. Ouais, les boutons m'ont chié dessus, gros. Je t'ai pas raconté la fois où j'ai failli mourir à cause d'une mouette. Non. Non, attends, je vais te la raconter. Tu vas. Tu sais quoi, tu commences ou je commence? Bah vas-y, commence, j'allais commencer aussi. Ok, vas-y, je commence. Alors, je t'ai pas raconté quand j'ai failli crever à cause d'une mouette. Enfin, crever, c'est vite dit, mais. Hein? On est en recrue là. Non, arrête, tu me l'as fait à chaque fois, gros. Attends, mais je vais te raconter l'histoire, gros, de la mouette que je me suis pris en rentrant de Carrefour un jour. Dans les dernières semaines de taf. En fait, tu sais, j'y allais en vélo à Carrefour.
Oui. L'histoire de la pauvre mouette. Fais gaffe, Arwen, j'aime bien le chocolat, moi aussi. Et en fait, du coup, ah, mais c'est la zone où on avait regardé la dernière fois où il fallait parler à la meuf là pour avoir l'invitation. En fait, du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, je rentre à vélo. Il devait être 16-17 heures, un truc comme ça. Et en fait, sur le chemin du retour, tu sais, j'ai une grosse pente, mais vraiment une très grande pente, d'accord ? Grosse pente sa mère. Et sur chaque côté de la route, en fait, il y a des arbres. Et genre moi, comme juste après, il y a une montée, du coup, tu sais, je prends le maximum de vitesse pour pouvoir remonter la montée après le plus facilement possible. Donc je prends maximum de vitesse, et là, d'un coup, tu vois, genre vraiment, j'ai eu les yeux au ralenti, tu vois, genre je vois une mouette à ma droite. Ouais. Il me fait, c'est bon, elle va rester là. elle va pas bouger. Et là, d'un coup. Hein ? Elle volait ? Non, elle était assise par terre, tranquille, elle comptait ses grains de riz sur le sol, j'en sais rien. Enfin, tu sais, elle était en train de faire sa vie par terre, tu sais, comme une mouette. Et d'un coup, genre moi, je suis à toute vitesse, tu vois, genre au moins à 300 km/h à vélo. Je suis un peu marseillais. Donc je vais à la vitesse d'un vélo quand il est en pente vers le bas, quoi. Et là d'un coup je vois la mouette s'envoler. Je me fais elle va pas venir vers moi, quoi. C'est pas possible. Et là, une seconde après, gros, vraiment, une seconde après, je me suis mangé la mouette en plein dans le visage. Vraiment, genre, elle a décollé et elle est venue, elle est passée juste devant moi et on s'est choqués tous les deux en même temps. Du coup, moi, je me prends la mouette dans la gueule. Du coup, t'es resté sur ton vélo, toi. Ouais. Du coup, je me prends la mouette dans la gueule, en gros. Et ce qui se passe, c'est que déjà, en plus, j'étais au téléphone avec ma mère. Donc, t'imagines bien que quand je me prends la mouette dans la gueule, je continue pas en mode il s'est rien passé. Genre, je pousse un hurlement, tu vois, genre vraiment un truc comme ça. Ma mère, elle a cru que j'étais mort parce que après je parlais plus. et du coup, en fait, et la mouette, elle est repartie. Je crois qu'elle a pris un sacré choc, hein, parce que elle volait plus droit après. Voilà, on est plus très bien. Ah bah, je pense qu'elle a pris cher, hein. Oh putain. Tu peux y aller, ça. Voilà. Elle est morte, la mouette, ouais. Mais non, elle volait. Enfin, elle titubait, quoi. Enfin, titubait en volant, quoi. Un peu saoul, quoi. Un peu bourré, quoi, c'est tout. Bon, alors, je pense que c'est absolument pas une bonne idée. Bah, si, tu peux en éliminer. Tu vas dans les trucs bleus, là, derrière lui, c'est bon. Ouais, mais non, l'autre, il va se retourner au moment où je vais buter l'autre. Ah non, regarde, t'as eu le temps. Mais non, n'importe quoi, gros, je suis dans sa zone, il va se retourner, il va me déglinguer. C'était pas dedans. Y'a quoi en bas, tu penses ? Je peux les éliminer si tu veux, quoique. Je les élimine ? Mais non, ils vont me déglinguer, gros. Tu peux empoisonner si t'as du poison. Mais c'est balèze, une mouette. Ah, mais oui, totalement, hein. Tu veux que je les empoisonne ? Oh. Salut. Eh, sinon, j'ai une idée, mais c'est pas ouf comme idée. Attends, c'est moi ou il est en train de boire un cocktail devant moi là ? Même pas, il partage ? Un cocktail de fumée. Un cocktail de fumée. Quelle bonne fumée. Tu sais, c'est un mec, il a pris la vapoteuse là. Il a recraché toute la fumée dedans. Il a mis la vapoteuse dans son verre. Il a mis la vapoteuse dans son verre. Bon, allez, vas-y, moi je vais par là. Ça passe tranquille. Mais oui, bah je le savais. Après, j'avais la deuxième solution, c'était de leur tirer une balle dans la tête, mais je suis pas sûr que ça soit bien. Ouais, y'a du monde. Ah ouais, y'a un peu de monde. Mais tu sais comment on m'appelle, moi, dans le milieu ? Le caméléon. Ouais, je l'ai trouvé une rime en I, mais ok. Bah, du coup, c'est mort, là, trop tard. Bah ouais, c'est un peu... Voilà. Bon, alors, par contre, ouais, ça risque d'être compliqué. Petite soif. Petite soif au calme. Je les suis. Tranquille. Bon, en tout cas, je pourrais en buter un ici. Tranquillement. Et Kacher est là.
Je me demande si je vais pas buter le mec là-bas. Qui est tout seul, ouais. Qui est tout seul. Et je le cache. Ah, mauvaise idée apparemment. Il sera bientôt tout seul. Ouais. Yo Nightwish, comment ça va bien? Ok, let's go. C'est maintenant mon moment. Oh! Merde! C'est pas ce que je voulais faire! Je voulais pas te déguiser si tu veux. T'inquiète. Prendre le temps. Hein? Faut le cacher. Ouais. Hop là. Y'a poil. Ah non, ma poêle! Hop! Ah les poubelles. Faut parler espagnol maintenant. Ah, me llamo Pablo. Ah, ça c'est à moi ça. Ouais, c'est vrai. T'as besoin de réparer. Ouais, faut que je répare des trucs. Genre ça. Avec une clé anglaise. Et qui répare des gros trucs. Ah bah, dis donc. C'est à moi ça aussi. Celui de ma grand-mère. Alors, déjà, on est pas mal. On a réussi à s'infiltrer numéro. Tiens, c'est quoi les petits trucs là? Je vais regarder. Ah. Activé. Un robinet, bien évidemment. Oh, lui, il te reconnaît. Ouais, c'est pour ça que je vais aller ailleurs. C'est bien, les gars, continuez comme ça, c'est cool. On se revoit à 4h. Hein? Faites du bon boulot. Faites du bon boulot, les gars. C'est quoi, je vais passer par là-bas, là, je vois des escaliers. Bonjour, monsieur. Hop, excusez. Bon, c'est trop long de faire le tour. Quoi? Ouais. Non, elle a des courbatures. Elle a ok. On dirait moi. J'ai installé un bureau, gros. J'ai l'impression que j'ai travaillé 12 heures, quoi. Est-ce que tu crois que ça s'ouvre quand je passe? Oui. Oh là 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 là. Mais tu dois faire un conférence. Oh, il y a un film. Ah mince, tu vois. Merde. Un peu pixelisé quoi. Ils auraient pu me mettre en HD, je sais pas. Ouais, je trouve que là, bon, c'est. Ouais. Bouh! C'est le mec. Ah, je suis tout seul. Ah non, il y a un mec. Il y a un mec de la techno. Non, de la tech. De la tech. C'est vrai. Les mecs de la tech. Toi, t'es un mec de la sec. Là. Un mec de la sec. Oh, ça, c'est à moi ça. C'est vrai. Salut de ma mère. Je reconnais. Il y a ses initiales dessus, il y a marqué PB pour Patricia Bichette. Patricia Bichette. Tu la connais, Patricia Bichette? Non. Oh, c'est ma mère. Oh. Ah oui, celle-là, ouais. Bon, infiltration réussie, hein. Tu crois qu'on peut aller dans un endroit important avec un fusil à pompe dans le dos? C'est naturel. Ouais, moi aussi. Je crois qu'on pourrait aller à un séminaire avec un fusil à pompe dans le dos. Ça fait partie de la sec, ouais. Bonjour, messieurs. Ne faites pas. Oh, attends, un QR code. Vas-y, essaye. Tu veux que j'essaye? Ouais. Eh, je rigole, ça marche. Attends. Je rigole, ça marche, gros. Hop. Ça a pas l'air de marcher, hein. Ça marche pas. Hein? Ah putain, mais ouais, je le fais avec mon vrai téléphone, mais je suis débile. C'est vrai qu'on a un téléphone dans le jeu. Débile quoi. Ah, là ça marche apparemment. Hein. Putain quoi. Débilité de base. Après, ça aurait été très bien s'ils avaient vraiment fait un truc. Ouais, voilà, tu vois, au moins on a testé, on a essayé. Bonjour messieurs. En fait, j'avance, mais je sais pas où je dois aller. Ah! Ouais, pas de cible, puis t'en as. Non, non, l'autre c'est Patricia, c'est notre copine. Non, c'est Diana. Diana, qu'elle s'appelle? Gaffe, le mec te reconnaît par contre. J'avais pas fait gaffe. Attends, on va aller voir l'autre en haut là. Ah, ouais, fais gaffe, là il y a. C'est peut-être la sec plus ici. Ah! C'est la sec plus plus. Ah ouais, genre. Je fais partie de la sec des pauvres quoi en fait. Ça. Putain, ça me dégoûte ça. Eh, tu feras gaffe parce que dans pas longtemps c'est moi qui sera à ta place, connard. Je vais prendre ta place. Je vais prendre ta place. Private. Marqué private en plus. J'aurais dû lui cracher dessus. C'est vrai, t'aurais pu en profiter. C'est vrai. J'aurais pu.
Et l'autre côté. Ah, je pense qu'il doit y avoir moyen de prendre l'habit d'un mec, d'un noble. Oh. Un noble. Avec un serveur. Avec un cerveau. Avec un cerveau. Bon, essayons de chercher une opportunité au pire. Allez. Genre lui là. Lui, il y a une opportunité de dingue. Qu'est-ce qu'il fait? Il vomit ou c'est. Wesh, il vomit. Il vomit quoi? Attends, gros, je vais t'aider. Putain. Mec, il est en train de vomir, tu l'étouffes dans son vomi là. Oh, je peux pas. Je peux pas récupérer ses vêtements en lui. Bah non, c'est un invité. Et alors, moi aussi je suis invité. Ouais, mais toi t'avais tes vêtements d'invité. Ah. Bon bah. Il avait envie de dormir. Mais moi le truc il a servi à rien quoi. Je sais pas, ça te fait peut-être des points. Ah ouais, mais bon. Bon, je trouve pas grand chose hein. Quelqu'un aurait une opportunité? Essaye de descendre, peut-être. What? Ah. J'ai pas compris, non. Bon. En fait, là, tu vas revenir... Bah ouais. Là, en bas. Faut aller par là, mais je pense qu'il doit pas y avoir grand-chose. Oh. C'est quoi le truc? Un pinot noir. Oh. Une bouteille. Un petit vin. Un petit pinot. Pino. Un petit pinot. Ah! Ben là, tu peux rentrer. Tu fais partie de la bonne sec. Il m'a dit? Il a dit, tu peux rentrer. Ah! Putain, j'ai eu peur. Oh! Opportunity! Opportunité! C'est donc là qu'ils font leur meilleur vin. Le meilleur pinot! Regarde, je vais les espionner. Faire attention à la pompe. Tu veux un nouvel orifice? Quoi? Avant, j'ai pas vu. Tu veux un nouvel orifice, mais what the fuck? Faut que je dirais pas non, mais bon. Suivez l'ouvrir en chef. Bon, ouais, suivez. Attendez, je veux aussi votre protecteur. Un mec de la tech. Un mec de la sec. Oh, pardon. Oh là. Tiens. Tu joues un peu trop désespéré avec lui. Tiens, t'as un problème? Je suis un mec de la. Ouais, il est cru que tu me cherchais là. Bah, je pense qu'il. Mais s'il me cherche, il va me trouver, hein. Allez, on a tous les deux des bottes. En plus, on devrait être potes. On est bottes potes. Oh, c'est un peu bourré. J'ai un peu bu le pinot. Ouais, bon, on le suit, on veut bien le suivre. Je suis le garde du corps de l'ouvrier en chef. C'est l'ouvrier en chef, lui? Oui. Ah ouais. Il en a pas l'air. Excusez-moi, vous êtes l'ouvrier en chef? D'accord, c'est le vrai chef. Oh, ça a l'air d'être un mec relou, hein. Il demande 50 fois les mêmes choses. Vous pouvez parler français, s'il vous plaît? Je comprends pas. Il a fait aïe aïe aïe. Oh, excusez-moi. Ils ont la même moustache? C'est des frères jumeaux en fait. Ah. Parce qu'il y a une histoire derrière ces deux-là, c'est des frères en fait. Ah ouais, attends. Et l'autre, il est balayeur. Alors ouais, je veux bien, mais alors je dois. Oula. En fait, c'est un magicien. C'est un magicien. On balaye dans le sol. The fuck. Et l'autre, le martyriser en fait. Il lui fait faire des trucs ingrats. Écoute frérot, là, t'abuses. Tu sais très bien que maman, elle veut pas que tu passes le balai. D'accord. C'est ça. Donc fait, maintenant, tu vas me changer ce joint et plus vite que ça. L'ouvrier en chef, c'est le préféré du père, de leur père. Et l'autre, il est renié. Ah putain, j'aurais dû briser la pompe. Non, tu peux te retourner, gros, le temps que je brise la pompe. Ouvrier. Ah non, faut que je me procure une tenue d'ouvrier. Puisqu'il faudra lui parler après. Mais n'importe quoi. Non. Bah non, regarde pourquoi ils mettent ça alors.
Bah ils disent pas la tenue de l'ouvrier en chef. Ah. T'es que t'es pas bête, t'y. Attends, du coup l'autre il est tout seul là-haut. Ah ouais, ça c'est pas bon. Vérifier qu'il n'y ait pas de caméla. Une caméla quoi? Une caméla. Bah c'est surtout je dois chercher un moyen de le cacher le corps. Peut-être le mettre dans la cuve. Bah ouais. Donc tu pousses. Oh, il y a un mec là-bas. Ah, il y a en face aussi. Hop. Donc je prends sa tenue et après je le mets dans la cuve. Un truc pour le cacher. Oh, oh non, il y avait marqué éliminé. Ouais. Allez, un mort. Ah oh, mais mourir dans une cuve de vin, c'est bien, non? Ça ajouterait un peu de corps au vin. Oh, oh, un peu de corps au vin, pas mal, mon gosse. Par contre, ils me reconnaissent tous ici, hein. Oh, mais attends, c'est peut-être parce que j'ai un flingue dans le dos. Oui, je pense que le flingue est pas très naturel. Pour un ouvrier, c'est pas ouf. De la tech avec un flingue, quoi. C'est bon, apparemment, je ne suis plus reconnaissable. Je peux donc aller voir mon pote là-bas, Francis. Ah. Un mec de la sec, Later, quand même. Un mec de la sec, il m'a reconnu. Mais maintenant, je fais partie de la tech. Donc, j'en ai rien à foutre, en fait. Non, putain, je vais aller le... Ouais, mais en fait, j'essaie de... Tu me vois plus. Bonjour, Francis. Ils s'appellent tous Francis. Hop. Ok. Trouver un tournevis. J'ai pas déjà un tournevis? Alors, j'ai plein de trucs, mais pas de comment? Oh, oh, y'a un mec qui me reconnaît. Ce que j'ai dit. Oui, oui, j'ai entendu. Ah, je m'intruse. Intruse-toi. Excusez-moi, je m'intruse. Il va y avoir forcément un tournevis quelque part. Ah, t'as l'air bien caché. C'est ouf. Attends, je passe par là, il y a peut-être un tournevis. Hop. Il y a forcément un tournevis dans ces catacombes. De la... Ouais, c'est la machinerie ici, c'est... Ouais, j'ai pensé, il fait un peu chaud. Tiens, on dirait que t'es dans un... Ouais, un vaisseau de Star Wars. Et surtout, on dirait un bunker. Ah. Bah, tu te rappelles de ça. Déjà rencontré des ouvertures de ce type. Ah ouais. Qui s'est avéré très difficile. Je m'en souviens comme si c'était hier. Bon, apparemment, il n'y a pas... Oh. Ici, il y a un tournevis. Je le sens. Quelle caméra? Tu veux l'imposer? Ah non, tu veux te camoufler. Je peux me camoufler, la caméra ne me reconnaîtra pas. Par contre, je peux tenter de tirer sur la caméra. Tu Mais il y a Alfred là-haut. Alfred Pennyworth, il est là-haut. Ah oui, parce que c'est les caves de Bruce Wayne. Voilà, on a tout compris. Ah, bah merde. Faut aller. Revenu. Il est toujours là, Titouan. Ouais, le mec de la sec, ouais, il est toujours. Après, faut le faire bouger. Oh, bouger, bouger. Ouais, mais attends. Une petite pièce. Système de ventilation, peut-être. J'ai pas de pièce assis là. C'est pas de la pièce. Sa mère, sa mère, sa mère, sa mère, sa mère. Pourquoi il vient là, lui, putain? Oh, Tu peux l'éliminer là? Non. il se relève derrière, gars. Bon. Coucou. Trouver un tournevis. Tournevis. Et prends ça, prends ça. Ah, c'est vrai que le tournevis prend le pas. Peut-être là. Oh. Ouh. Oh bah la boîte à outils. Il doit y avoir un truc dedans. Forcément un truc dedans dans la boîte à outils, non? En vrai. Au moins un tournevis. Bien. Mais lâche la boîte. T'as lâché toutes les pièces. Simuler un objet. Oh, c'est incroyable ça. Gros, je cache mon pistolet dedans. Et je le garde dans la... Oh,
Paf. C'est vrai qu'il est toujours pas, il est toujours là lui. Attends, je vais le déglinguer. Des grains de raisin. Oh merde, tiens, un mec en haut. Ouais, putain, bon, au moins il me fait plus chier quoi. Oh, mais what the fuck? Attends, est-ce que c'est parce que j'ai ma mallette? Fais voir, lâche la mallette. Non, ouais. Ils veulent vraiment mon cul. Hein. Ils te veulent vraiment. Tu tournes en rond. Mais what the fuck? Mais attends, c'est normal ça? Ou ça se passe comment là? Bah, il faut trouver le tournevis. Bon, tu sais quoi? Mais. J'en ai marre. Tout ce qu'il a dans ses poches. Hein, de... J'en ai marre. On va. Ils sont où mes pièces? Merde, tu les as fait tomber. Voilà, au moins eux ils arrêteront de me saouler. Est-ce que tu sais où j'ai caché? Ouais, je sais où il est caché. Je crois pas qu'ils vont. Non, t'inquiète. Hop! Ni vu ni couillu! C'est vrai, corps caché, c'est bien précisé. J'ai failli appuyer sur la touche, briser le coup. Oh, ça va. Par contre, on va peut-être les reculer quand même, on sait jamais. Genre un mec qui passe par là, il regarde vers le bas, il fait oh! Qu'est-ce que ça? Ici, fait des piles de cadavres. Non mais ici tu vois genre hop ici on les verra pas. Ouais, t'as ni vu ni couillu. Une réserve de. C'est ma réserve de. Voilà c'est ça. C'est ma réserve de déguisement. On sait jamais. Bon un tournevis. Alors, oh. Pour la pièce peut-être. Attends je vais cacher le fusil à pompe. Avec le mec. Comme... Il faut une réserve d'armes aussi. Réserve d'armes, ouais, voilà, c'est ça. Non, j'ai lâché un truc qu'il fallait pas, je crois. Oula, oula. Lâche cette arme. Voilà. On va y arriver, numéro. On va y arriver. Ok, donc du coup, il me faut un tournevis ici. Pour faire quoi? Putain, il est là. Endommager le fil électrique. Genre, et j'avais vraiment besoin de faire ce que je viens de faire ou. Je suis juste trop con. Quand tu joues de façon très sécurisée. Oui, oui, ah oui, oui, totalement. Tu ne prends aucun risque. Ah ouais, bah là, on va avoir un problème. Il reconnaît les vêtements de son pote. Je balance une pièce. Le temps de faire ta petite opération. Puis, ouais. De toute façon, on a vu une pièce comme ça, il va courir après. Et hop, et là, tic, 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 tic. Ni vu ni connu. Saboter la pompe des cuves. Ni vu ni connu. Oh c'est tout, ça va. Oh, je vais voir ce qui se passe là. Oh, oh non, le cadavre. Non, le cadavre. Oh, c'est il bon. A explosé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bordel. Oh. Oh. T'imagines tout le vin qu'on vient de niquer, là. On vient de gâcher, là. En vrai, Alors qu'en ce moment, il y a une pandémie mondiale, on est en rupture de tout, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On gâche le bon. On dirait du sang. Du sang de raisin. C'est le sang de raisin. C'est un meurtre. Par contre, à quoi a servi cette intrigue? Bah regarde, il court l'autre. Faire chier le personnel. Bah on a fait chier le personnel quoi. Non mais regarde, l'autre titouan il court. Qu'il soit allergique au vin peut-être. Mais... C'est pas vous ce que je voulais faire. Bah autant lui briser le cou maintenant. Attends. Attends mais je suis pas parti avec le cadavre. Mais je croyais que j'avais le cadavre. Recommençons. Je croyais que j'avais le cadavre gros. Il veut lui briser le cou et puis il va partir en loche mais en... Mais en fait moi je croyais que j'avais attrapé le cadavre.
Ah, j'ai le... Oh là là. Oh non, je reviens ici. Oh, pas besoin de les cacher ici. Si, ouais. Bah, au moins les jeter dedans, quoi. On sait jamais. Putain, mais quelle merde je suis. Genre, tu le jettes avec tellement de mépris. On bat les couilles, frère. Merde. Ah, bah, c'est bon, il y en a déjà un de caché. Nickel. C'est quoi ça? Et à côté, c'est quoi? Ah, c'est la ventilation. Ah. Oh. Empoisonne le système de ventilation. Putain. Ah, mais attends. Tout le monde va dégueuler. Tous les invités. Morora, bam. Tac. Je sais pas comment ça va se passer, mais. Bon, s'il y a 50 morts, c'est pas ma faute. Bon, allez, on y va. Tu vas voir les notifications. Élimination, élimination, élimination. T'imagines, quoi. Prendre d'avance. Allez. Oh, les pieds, tu l'as balancé. Ah oui, merde. Ça peut-être pas... Bah, le problème c'est qu'il y a lui, tu vois, je peux pas faire grand chose avec lui devant moi. Maintenant il te regarde pas. Ah merde, j'en ai plus. Bah, il te regarde pas. Tu peux lancer autre chose, au pire. C'est quoi, au pire on essaye, on tente de voir si ça marche. À mon avis, ça passe. Je sais pas. Ouais. C'est pas moi. Attends. Je me mets là, comme ça dès qu'il arrive je le déglingue. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là. Oh merde. Oh non. Non. Ils sont pas morts. Non, ils sont pas morts. T'inquiète, ils ont survécu. Ah, c'est bon. Enfin, avec un peu de chance, ils ont survécu. Je dis bonjour et je me prends devant moi. Je suis désolé, Zenox, j'avais pas vu. Comment ça va? Fais gaffe, le mec. T'inquiète, je surveille. En fait, il y a deux mecs juste là, ça me fait chier. Tu vois, genre, ça a explosé juste à côté, mais ils s'en battent les couilles. Oui, bah, c'est pas leur taf, hein. C'est les mecs de la tech, hein, qui doivent... Dès qu'ils passent, je le déglingue, gros. Oh, mais attends. En plus, ils passent là. Nickel. Il est mort, tu penses? Victime sans se faire repérer, bam! Ça dégage, il est mort. J'ai peut-être récupéré mon flingue, moi d'ailleurs, dans ma mallette. Hop, ou alors je le laisse dedans. Je prenne quoi comme déguisement? Je reprends l'autre là? Attends, je vais arrêter le système de ventilation. Ça va et toi? Bah ouais, tranquillement, tranquillement. Hop. Quel dommage, il est mort. Oh là là. On va prendre lui. Oh merde, je suis en intrusion. Mais genre il est... Ah bah oui. Parce que peut-être on lui. On peut voir si tu sors, peut-être pas en intrusion. Briser le coup. Oh. Hop hop hop. Venez. Je vais me prendre une vapoteuse. Ok, vas-y, on se casse de là. Voilà, peut-être pas dans le sens. Qu'importe ton déguisement, il te reconnaît. Ouais, de ouf. Mais c'est parce qu'il connaît mon visage. Ok, faut qu'on trouve du coup Tamara. Tamara, elle est avec... Avec la bleue. Avec la bleue. Pom pom pom. Oh. Tu veux faire des photocopies? Ouais. Oh merde. Ah. C'est pas mon... Chut, je joue à cache-cache. Ok, vas-y, je le déglingue. De toute façon, t'es pas en intrusion ici, tu vois. Ouais, mais il a le costume de des Men in Black. Il veut te photographier. Oh non, qu'est-ce qu'il fait lui? Non, c'est bon. Oh. Ah lui, il t'a reconnaissé. Oui, t'as bien fait de l'attirer. Par contre, il a pas arrêté la photocopieuse. T'inquiète, je gère. Hop. Ah oui, parce que le papier. Oh, c'est pas toi qui paye. Hein. Le mec, bah toi non plus.
C'est vrai, moi je regarde. Alors, est-ce que c'est à cause du fusil à pompe? Non. Oh, ouais, j'ai Ok, ici je peux supprimer. Quoi? Ouais, il aime bien. Eh, attends, gros, je peux peut-être accéder du coup au private. Ah, mais je peux peut-être accéder au comptoir privé maintenant. Oui, tu peux, je pense. Avec un fusil à pompe dans le dos, mais. Ouais, c'est faisable. Oh. Tellement de lumière. Tellement de luxe. Imagine, je passe à côté de Diana, gros. Elle fait chut, va-t'en. C'est elle que je dois buter. Je la pousse, à mon avis. Ou tu jettes une pièce de l'autre côté, tu la pousses. Putain, j'étais à deux doigts de le faire, mais je me suis dit, le vigile, il me regarde. Tu jettes une pièce de l'autre côté, elle va sauter. Et là, je la prends, je l'éclate sur la table. Et après, on se casse. Devant tout le monde. Le chandelier sur la tête. Échanger de micro Bronson M2. Quoi? Ce micro-là, c'est celui qui... Non, c'est pas celui-là, moi. Par contre, je pense qu'ils seront toujours ensemble. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'il doit y avoir une opportunité quelque part qui me permettrait de le dispatch. Peut-être en haut, si tu peux... Ouais, maintenant, je vais voir si je peux aller là-haut. T'es un mec de la sec plus plus. T'es chaud, tu tues la meuf et tu te barres maintenant. Mais en fait, on essaie... Non. Non, t'inquiète, avance. C'est bon. C'est pas bon. Wesh, dites-le. Dites-le moi complètement, ouais. Est-ce que je suis... j'ai pas le droit de passer la place d'attendre. En fait, on essaye de le faire sans se faire repérer et... Oh. Il y a une porte, là. Porte dérobée. Dérobée. Qu'est-ce que c'est? Attends, mais j'ai un pied de biche, il me semble. Oh non, c'est une blague. T'es du mauvais côté, je crois. C'est pas du bon côté. Je peux m'en sauter au lierre, non? Eh non. Chais, le jeu, il m'a dit chais. Sinon, je passe par les rochers, là. Les rochers. Ah. Chais. On va essayer. Est-ce que tu vas pouvoir accéder, déjà? Inutile ce que je viens de faire. T'as fait un petit tour. Ah. Oh. Ah, oh, caméra, fais gaffe, la caméra. Ah, oh, mais regarde. Paf. Tu as tué la caméra. Je l'ai tué. Déverrouillé. Bah oui, t'as un pied de biche. Y'a personne de l'autre côté. Ah, oh, mais non, j'ai la clé, gros. J'ai la. Oh non, c'est une blague. C'est une blague, genre. Je reviens ici, quoi. Putain. Je reviens ici, est-ce que j'ai le seum? Un peu. Ouvrier vertical. Oh putain, j'aurais pu récupérer un truc ici. Salut. Il m'a dit bonjour. Au travail, là, maintenant. Oui. T'as les clés de tout, en fait. Allez, Maroua. Oh, mais c'est un Aspiro 3000, je reconnais. L'Aspiro 3000, oh, putain, il y avait un. Ah non, c'est un cutter. Tu peux se regarder et tu montes, ça fait. Ça fait quoi que tu tues Diana? Ah, je sais pas ce que ça fait si on tue Diana. On pourra, on peut sauvegarder après et la tuer, ouais, pour voir ce que ça donne. Si on échoue. Bah, je pense que ça fait juste mission échouée, je pense, mais on verra. On testera. Bon. Comment je vais faire pour passer de l'autre côté, moi? Faut que j'arrive à... Au pire, faudrait que j'arrive... Genre, ah, je sais! Tu sais ce qu'on va faire? On va faire comme le petit poussé. On va laisser quelques pièces tout le long des marches. Jusque tout en bas. Et une fois... ou sinon, je passe par là. Hein. Ouais, t'étais déjà sorti par là. Je crois. Ouais, mais attends, il y a une porte là-bas, regarde. Porte des rebais. Porte. Ah mince, tout le temps verrouillé de l'autre côté. Hein. Après, hein. T'as pas la clé, frérot? Ça se trouve, la clé, elle est au niveau du service sécurité là-bas. Mais c'est la première fois que je viens ici, hein, par contre. Oh, mais attends, ça se trouve, lui, il passe. À mon avis, non, il passe pas. Passe toi ou pas? Par contre, ouais, il peut passer au-dessus. Bah oui, c'est ce que je me demande. Ouais. Faudra le cacher, et puis... Allez. Oh, je suis un influenceur.
C'est fou ça. Quand même. Avec, normal, j'ai un cadavre dans les mains. Je mets dans la poubelle. Hop, fais chier. Bon, je pense qu'il y a le fusil à pompe qui joue aussi. Hein. La poubelle à côté, si tu veux. Ah, pas con le con. Je crois que je peux mettre un. Quoi? Pour activer la machine à glace. Oh merde! Je peux l'éteindre maintenant. Fais gaffe, y'a quelqu'un qui vient derrière toi. Oh oh oh! Putain! Putain, le mec a couru de l'autre côté. Faut vite que tu te barres de là, que t'enlèves ton fusil. Il est derrière moi? Oh, je vais le mettre là. Fais gaffe, ils sont rentrés. Le mec de la sec. Il me reconnaît, ce bâtard en plus. Tu pouvais ressortir, je pense. Mais non, attends, je vais voir un truc. Est-ce que je suis en intrusion si je vais là? Non, c'est juste le mec que tu reconnais là. Utiliser le terminal. Désactiver les portes de sécurité. Merde. Oh. C'est où ça? J'ai fait de la merde. Ah, éteins l'alarme. J'ai fait de la merde. Qu'est-ce que je fais? Dérouté. Bah, j'ai tout activé là. Hein. What the fuck. Hop, ça c'est à moi. Ouais, il est là-bas. Attrapez-le. Hop. Oh non. Lui te reconnaît. Tu l'as tellement défoncé. De ouf. Par contre, pour le cacher. Dans la sauce. Là, tu peux. Ouais, je regardais s'il y avait pas le mec en fait. Oh. Bordel de merde. Il y a des glocks par terre, j'espère qu'ils vont pas se poser de questions les mecs. Hop. Ah. Attends, je peux pas récupérer ses vêtements à l'autre? Non, Oh, ça me tue. Gaucho, c'est pas la tenue À mon avis, ça va pas passer le gaucho. Bon, on va essayer. Vas-y, au pire, c'est bon. Je dirais que je me suis trompé. Ça peut arriver. Ah, c'est bien, tu répares leur truc. Ah merde. Oh, attends. La tire comme ça je le déglingue. Mais quoi? Barre-toi à mon avis. T'inquiète. Comment ça? T'inquiète. On sent déguisement, putain. Là, c'est que tu peux les cacher les deux. Hop là. Attends. Putain. C'est bon, j'y vais, frérot, j'y vais. Carte d'accès par terre. Putain, mais comment ça se fait que c'est réactivé? Oh merde, c'était désactivé, je reviens, c'est activé, putain. Ok.
T'oublies la carte par terre. Il y a une carte? Ouais. Un peu plus loin. Ouais, voilà. Bonjour. Et non, c'est pas le mien. Il faut qu'il sait. Par contre, la carte, c'est la mienne. Tu gardes le Glock, mais voilà quoi. Oh, ça c'est louche. Ça sent un peu le passage secret. C'est une blague. Tournez le robinet. Putain, mais what the fuck? Les petits coquins. Petit cachetier. Putain, ils me reconnaissent tous ici quoi. Fais gaffe, le mec est derrière aussi. Toi. T'inquiète, t'inquiète. Et là, je remonte du bon sens. Ils connaissent tout. What the fuck? C'est la secte des masques? C'est celle de l'épisode précédent? Je sais pas où j'ai, mais j'y vais. Oh, ça c'est à moi. Oh, ça c'est à moi. Ah bah voilà. Non mais putain. Mallette cachée. Mais genre. Tiens tiens, il y a une mallette ici. Salut frérot, ça biche la patate. Ah pour sortir, ça sera bien. T'es où là? T'es dehors. Mais est-ce que je suis... Ah, je suis au côté VIP. Oh, bah ça va, tu peux être là, hein. T'as les droits. Pff, oh. Obligé, hein, Mais non, j'ai pas roi. Ils me reconnaissent tous, c'est bizarre. Ils me connaissent, mais... Oh, chelou. Normal. Je pense. Je pète la porte, là. Attends, elle est là? Ah non. Attends, moi, je trouve ça... Bizarre quand même que mettre un truc ici alors que t'as pas besoin de venir ici quoi. J'ai peur de déverrouiller la porte et de l'éclater. Oh, il y avait une porte ici apparemment. Le repère des méchants, ouais, de ouf. Ouais, non. Oh. Bureau de qui? De Mendoza. Chambre de... Pas le temps de lire. Oh. C'est peut-être un moyen de s'enfuir. Voiture. Oh le bordel. Et d'ici je prends un sniper et je la one shot. Malheureusement, je ne pas. Oh, ouais. Oh, oh. Alors là, par contre. Oh, t'as pas un canon quelque part? Oh, franchement, au canon, ça serait plus stylé qu'au sniper. Attends, mais. Attends, mais. Quelle est cette chatte? Incroyable! Bon, maintenant, faut pas la rater. Attends, attends, attends. D'abord, je sauvegarde. Je veux voir ce que ça donne si on bute Diana avant. Ah, c'est ultra précis. Hein. Oh, ce que j'ai mis par contre. J'ai mis un truc sale. Comment elle a volé de ouf quoi. J'ai mis un truc sale. Ah, là par contre. Un travers. Tente un travers. Bah non. Nickel. Plus que qu'à t'enfuir avec la magnifique voiture. La voiture. Attends, parce qu'il y a marqué n'éliminez pas Diana, mais... Ah oui, du coup, la voiture. N'éliminez pas Diana, mais on peut tenter de l'éliminer. Bah, ça va... Ah ouais, elle est derrière le... Je peux pas sauvegarder. Merde. Bon,
Écoute, on va peut-être laisser le sniper ici au cas où qu'il y a quelqu'un qui nous pose des questions. On n'a pas vu de sniper, d'accord, numéro ? Non, mais j'ai rien vu, moi. Trouvons la voiture. Romain, s'il te plaît, j'ai pas vu. Attends, je vais voir si je peux faire un clip. Trouvons la voiture. Ah bah, elle était devant, la voiture. Ah ouais ? Bah, juste à côté de Diana. Les 50 mètres, là ? Merci pour le follow, merci beaucoup. Welcome. Comment je fais ? Du coup, j'ai fait un clip, j'espère que ça a compté le... Alors attends, ce que je vais faire. Bah non, mais le mec il regarde l'autre part. Hein. Ah oui, en effet. Désolé. Ah, nom de Zeus. Allez. Avance, wesh! Ah, ok, il y a un mini. Pow! Eh, n'empêche, ça s'est plutôt bien passé. Hein. Je suis désolé pour les éternuements d'ailleurs. Ça s'est bien passé, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses, numéro 1? Aucun sushi. Et en plus, je crois qu'on a fait pas mal de défis. Pas. Ah si quand même. Oh. Et si ça c'est pas un 4 étoiles, je ne comprends pas. Allez, un 4 étoiles au moins. Ça si c'est pas un 4 étoiles, je ne comprends pas. On va voir, on va voir. Attention. Ah. Pourquoi ? Ça ne vaut pas mieux que... Attends, mais on est d'accord. Mais dans mon cœur, ça vaut un 4. Ouais, ouais, bah. Pas d'accord, je suis tellement pas d'accord avec ce truc. T'as mal jugé. Là. C'est des escrocs. C'est des... Je me suis fait escroquer. Mal nécessaire. On enchaîne du coup sur la dernière mission du jeu. On a mis quand même une petite heure à la faire. Oh bah oui, tranquille. Bon, à chaque fois, c'est à peu près une heure hein, de toute façon. Je m'avais tué. Pourquoi ? Il était mon ami. How did you know? Savoir quoi? Même moi j'ai pas compris. Wow. Oh. Oh. C'est les manges morts. I am sorry. Les manges morts. Oh. What have you done? Oh! See, Edwards learns by his mistakes, 47. And as you've clearly demonstrated, brute force is futile. Oh, je suis choqué! Oh non! Oh, on se transforme en alien! Ce mec qui a pas compris. On devient une grenouille! I know what you did. After all these years, I finally know. Là, attends, quoi? C'est lui qui a buté sa famille, en fait, ouais. C'est ça? J'avais pas suivi. All I saw was a blank slate, a weapon to wield. I told myself it was what you needed, but people aren't meant to be controlled. This is a kindness. Goodbye. Ouais, donc en gros, si on n'a pas suivi les anciens Hitman, on peut pas comprendre quoi. C'est un peu ça, quand même. C'est vrai que l'histoire se fait sur trois jeux quoi. Bah, l'histoire se fait sur trois jeux, mais au final, l'intrigue, enfin, le truc révélateur, c'est sur les anciens jeux, tu vois. Genre, au final. Attends, c'est pas fini, hein, il reste une mission, calme-toi. Il est mort, c'est bon. Il est mort. Il est pas mort, wesh. Hop. Continuez l'histoire, intouchable. Numéro, je te souhaite bonne chance. J'ai bien peur qu'elle soit compliquée. Non, non, t'inquiète. Est-ce que tu es une personne intouchable? Ouais, yo, merci qui va m'aider. Faites face au nouveau pouvoir derrière Providence. Ah, ça c'est le briefing, hein. T'as compris le briefing, numéro? J'ai compris, c'est bon. Ok. Est-ce que t'es prêt? Ouais. Est-ce que tu te sens chaud à le faire en grand maître? Non, non. Oh, eh, franchement. Moi j'ai envie de nous féliciter hein, parce que depuis le premier jeu, gros, on joue que en professionnel.
C'est vrai. Et on est des pros, quoi, c'est tout. Qui est en soi le niveau moyen, peut-être. Arrête. Ah, bah, niveau normal, quoi. C'est ça, c'est niveau normal. C'est chaud de le faire dans la version Iceborne, ça veut dire quoi, ça hein? Dans la version pro... Dans la version... Quoi? J'ai pas compris. Je sais pas de quoi tu parles. Oh, bah, rang maître. Ah! C'était une blague, je suis déçu. Ah ouais, j'avais pas compris. En fait, tu voulais que je le fasse... Ouais, ok, d'accord. Ok, j'ai compris. Sorry, j'avais pas tilté. Ah, je pense que c'est l'ordre pour toi de marcher, numéro. Vers mon destin. Oula, ça se transforme. Oh, mais ça, c'est le premier mec qu'on a buté dans le premier jeu, ça. Non? Je vais le rebuter, là, en fait. Timothée, je crois, il s'appelle. Wouah! Je me rappelle de toi. Ouais. Oh, lui, par contre, c'était dingue, hein, comment il est mort, je me souviens. D'ailleurs, c'est toi qui l'as buté, celui-là. Il me semble. Ou c'est moi, je sais plus. Oh! Et là, je me souviens plus. Et là, je me souviens plus non plus. En fait, on a buté trop de gens. Ah, mais si, c'est pas celle dans son manoir, là. Oh, ils te regardent tous, hein. Tout le mec que j'ai buté, c'est ça. T'as buté un petit vieux. Oh, il y a une madame bien dévêtue. Ça, c'est le vin, ça, je me rappelle. T'étais pas plus tard que tout à l'heure. Ah, je vois. Ouais, attention, la marée, elle monte. La lune. Oh, les effets incroyables, quoi. Je ne jette jamais. Ah ouais, d'accord. Transformation super. Ah ouais, d'accord. En gros, elle a demandé, elle lui a demandé de nous buter, sauf que lui, en fait, il a pas envie. Du coup, il se rebelle. Perhaps I should take him out to the woods and set him free. Oh, it's a classic. On va faire une chasse à l'homme. It was a loyal tool. But everything goes the way of the horse and cart eventually. I couldn't agree more. Ça devient bizarre, hein. The toxins are playing into your fears. Don't let them. C'est le mec qui est mort, ça, non? Le mec est mort, comme tous ceux qu'on voit depuis le... Ah non, l'autre, elle est pas morte, la meuf. Oh, bah, ouais. C'est la seule qui est pas morte, quoi. Et puis le mec aussi, c'est les deux seuls qui sont pas morts. Oh là. T'inquiète. Je vais les... Bah, ton niveau, il est simple, un numéro, apparemment. Hein. À mon avis, je vais 5 étoiles, je vais faire easy. Ouais, arrête de te la péter, là. But that's not what is really going on. She chose power. 1980-1989. No. She found a way to turn Edward's own cleverness against him. Ouais, on est tous les trois morts en 1989. I don't know how. You do know. Diana. Coming. Once you dispose of Edwards, I will dismantle Providence from the top down. It will finally be over. All you have to do is embrace the past. Eh ben non, je le ferai pas. Moi, bon, je peux le faire si tu veux. Wouhou. Ah ouais, donc en fait, on avait vraiment une mission, buter ses parents, en fait. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un cauchemar. J'ai trop bu, putain. Grosse soirée. Grosse soirée. Où sont mes vêtements? Par contre, tu feras gaffe, je crois que t'es quasi à poil. À droite, t'as un truc à récupérer ou une note. Ah ouais, t'es comme ça. Ah ouais, t'es vénère en fait. Je crois qu'il est un peu énervé, je pense. Attends, t'as pris... Yes, nickel. Il avait fait tomber une carte par terre.
Tu veux te redéguiser en malade presque à poil? Ouais, pourquoi pas. Oh, camouflé en médecin. Je suis médecin. Tu peux attends, je crois que tu pouvais interagir avec le livre là. Un peu d'information. Ça ne fait de mal à personne. Imagine if you could pluck out childhood traumas, ugly breakups, combat trauma. You guys should be open mind. Attends, faut demander à Haro. Elle a peut-être le code. Tente 8047. Merci. Ou sinon, c'est les chiffres écrits sur le mur. Déjà, tu t'es fail. Regarde, attends, fais retour. Faut demander à Haro pour le code, c'est elle la pro des codes. Attends, non. Attends, reviens sur le menu, reviens sur le jeu. J'ai peut-être trouvé. Regarde plus à... Là, t'as 1979. Ah, si c'est ça, par contre. Ah bah voilà. Ah, mon petit biche. Là, t'as une carte, je crois, non? Pas une carte qui est sur la poubelle? Non, c'est bon pour une étiquette. What? Oh. Il y avait moins de secousses. Copine se repose, chute. Ouais, je pense qu'elle fait dodo. Elle a l'air incroyable cette mission, gros. Je suis jaloux que c'est toi qui la fasse. Il marche à l'aise. Tranquille, il s'en bat les couilles, gros. Vraiment, genre, il n'y a pas de vent. Le vent, ça n'existe pas chez 47. Fais gaffe, ça va glisser là. Regarde si tu peux pas monter sur le train. Allez. Oh là là, c'est stylé. C'est grave stylé la mission là. Oh, ils prennent froid. Bon, on est quand même des salauds, mais on respecte quand même les gens. Ah oui, hein. Même de respect. Oh. J'ai un peu peur. Tu m'étonnes. Oh putain, ils te reconnaissent tous. Ok, j'ai compris, il faut que tu les attires et... Ah non. J'ai pas compris. Bah en fait, faut que tu montes sur le... Non, pas bonne idée, je pense. Bah au pire, test, mais je pense qu'il faudra que tu montes sur le toit. Ou alors, il y a la valve à gauche. Quoi? T'as perdu ton pied de biche? Putain, t'as perdu... Ah bah y'a la valve. Tu vois, j'ai trouvé la valve. Vagos. T'as dit que j'allais pas la trouver. Moi j'ai dit ça. Non. Peut-être. Oh. Hop. Alors attention, on va voir à quoi ça sert. Bah ça sert juste à monter. Oh là, fais très attention à toi par contre. Va à gauche. Va à gauche, à gauche, à gauche. Non mais t'es un malade. Ok, je serais peut-être mort. Là tu... Ouais, non, non, hop. Non. T'es un malade quoi. Les membres de Providence peuvent être éliminés. Ah, tu peux buter tout le monde gros. Non mais t'es pas obligé, mais tu peux le faire. Oh. Mec. Prends le stalactite. Sera ta nouvelle arme à partir de maintenant. Oh, non, je suis pas convaincu. Ouais, c'est pas fou hein, en vrai. Bah, t'as quand même un pistolet.
Ouais, j'ai un pistolet. Là, je mets une pression. Par contre, je la trouve trop stylée cette mission. Même si c'est linéaire de ouf là, je la trouve trop stylée. Tu me fais trop peur à pas regarder où tu vas, wesh. Oh, je peux passer à travers la fenêtre. De toute façon, je ne peux pas rentrer. C'est débile. Ça sert à quoi de faire ça? Ah, tu passes à la fenêtre à gauche. Ah, si, à la fenêtre à gauche. À droite. Non, celle-là, juste de l'autre côté du mur. En vrai, tu passes easy. Ouais, ouais, je suis sûr que tu passes easy. Si tu veux, sauvegarde au pire, mais je suis sûr que tu passes easy. Ouf. Le mec, il s'en bat les couilles, tu sais, genre, il y a courant d'air. Monter en bas. Ouais, j'ai dû dire monter en haut du coup. Ça m'arrive que trop souvent. Oula. Alors, plan d'évacuation. Makem Ayrasha. Vas-y, tu peux y aller. Sinon, tu butes le mec. Tu butes le mec endormi là. Pas dans sa cabine, je suis sûr, il va pas te capter. Ah non. Passe dans la deuxième cabine du coup. Je sais pas ça. Ouais. J'ai quoi dans l'inventaire déjà? Pas grand chose. Un stalactite. Fais gaffe, il va fondre. Poche. J'utilise rapidement. Je peux fermer la porte aussi au cas où. Je pense qu'il vaut mieux que tu fermes la porte. Oh. Canette de soda au cas où t'as soif. Mais pourquoi? Ah, tu peux passer par la fenêtre si tu veux. Ah. Vas-y. Apparemment, t'as pas la carte du train, je viens de voir. Oh, t'as vu? Les décors à droite, des fois ils bougent, ils sont un peu bizarres. Hein. En bas, regarde en bas. Ah, c'est le reflet, tu sais, le reflet il est un peu chelou. La lumière, ouais. Ouais. Quelqu'un? Personne. Quelque chose à trouver là. J'ai pas l'impression que tu trouveras grand chose dans cette mission. Oui, de l'autre côté. Ouais, sûrement passer par dehors. Ouais, peut-être. Je peux pas passer par dehors. Bah. Oh le malade. Je pense qu'il faudra que t'avances en même temps que lui et il doit y avoir une fenêtre d'ouverte. Prends mon stalactite. La fenêtre de gauche, tu pourras y aller, je pense, non? Ah bah celle-là. Mais après, tu montes sur le toit et tu redescends de l'autre côté au pire. Alors, pas sur la glace. Ou alors, tu peux pas redescendre de l'autre côté. Mais je pense qu'il y a de la glace, du coup, c'est pour ça que tu peux pas. Chose. Je crois que tu t'es mangé un truc dans la gueule. Va à gauche, à gauche. D'accord, j'ai pas vu. C'est dit à gauche. Oh. 22h13, ça va, c'était il y a une minute. C'est pas loin. Tranquille.
Arthur Edwards. Ah, tu reviens ici, putain. Attends, au pire, là, tu peux pas aller à... Attends, reviens en arrière. Hein? Non, j'ai rien dit. Non, mais il doit y avoir un truc... truc spécial, je sais pas. Ça se trouve, il y a un item spécial pour l'ouvrir. Mais après, je suis convaincu que tu peux y accéder de dehors. Oh, faut que tu montes. Attention, on monte pas maintenant. En fait, ça sert à rien. Ah ouais? Attends. Ah, c'est peut-être. Ah, voilà. Essaye de repartir. Ouais, faut que tu descendes. La caméra. La caméra, s'il te plaît. Maintenant, faut que tu remontes. Caméra. Allez, allez. Voilà. Ah, nom de Dieu. Tu peux rentrer en plus si tu veux. Ah. Where are we supposed to be exactly? Crane? It all looks the same through the blizzard. Nah, somewhere in Romania. Mais trop bien cette mission. J'avoue, elle est un peu trop linéaire, mais. Ouais. C'est sympa. Bon après. C'est la dernière quoi. Tu peux continuer d'avancer hein, si tu veux, t'es pas obligé de sortir là. Peut-être mieux. Que tu fais, moi je te donne un truc. Tu rentres à l'intérieur. Attends. Tu peux pas tester un truc pour voir si ça marche? Attends, juste, je vais sauvegarder. Hein? Tu rentres à l'intérieur, tu butes le mec, tu prends ses vêtements, tu le tèches par la fenêtre. Ou sinon, regarde, tu peux te déguiser aussi, ça marche. Ah. Ça par contre. Bon, au moins il y en a, ils te repèrent pas. Oh, Patrick. Oh, t'avais un truc de ouf là. Ah. Dommage. C'est quoi? Regarde pour voir ce que c'était. Je peux crocheter avec. Putain. Une petite arme, sympatoche. Petite mitraillette, au calme. Peut-être la clé dans cette salle. Il y avait quoi? C'est à travers. Ah bah ah. Tu vois, regarde. Oh, alors là par contre là tu vas te faire plaisir. Là tu vas te faire zizir en numéro là. Petite mitraillette au calme. Tout en finesse. Par contre range là non. Je passe en mode vendetta. Oh, oh c'est bon. Ah, bute-les, hein. Cache-toi. Regarde à ta gauche. C'est bon. Il te reste 4 balles. Hein. Non, il me reste beaucoup plus. T'es un fou. Ouais, apparemment, il te reste 4 balles, hein. Que je veux. Ah, t'as une carte de sécurité. Ah non, une garde de sécurité de Providence, pardon. Excuse-moi. T'es un fou, quoi. Ouais, je suis un petit fou. T'as plus qu'à mettre l'arme dans le dos, vu que t'as plus que 4 balles. Ça sert à rien. J'ai plus que 4 balles. Par contre, les guns que j'ai ramassées, là, ils... Ah, c'est ça. C'est les munitions. Non, mais tu vas pas les buter, quand même. Non, je dois faire ça.
Ouais, ça fait du bien de tuer des gens. Ça t'a défoulé un peu? Ouais, ça permet d'évacuer un peu le stress. Le stress. Ça va, on y arrive petit à petit au mec, il est encore hyper loin. Hein. Regarde où il est pour voir. Bordel. Attention, on va rester à gauche. Non mais il est trop loin le mec. C'est un train. C'est le Snowpiercer. C'est un peu ça. Ça regarde la série. Non, je connais. Vas-y, pousse-le dans le vide. Oh. En vrai, normalement, si tu tires... Oh. Oh, vas-y, 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 déglingue-le. Oh, je rêve de voir ça. Ah, dommage. Victime par accident. Victime par accident. C'est vrai que c'était un accident, je ne l'ai pas fait exprès. Oups. Ah, par contre... J'accepte le tournevis. Putain, on est encore v'là loin. Oh. En fait, je suis en train de me dire, t'aurais peut-être dû prendre sa tenue. C'est un fusible sur la gauche là. Au pire, lui, tu le pousses. Et après, tu... Ouais, ou sinon tu les poses tous, hein. Oh! Mais. Ah bah là, sors le gun, hein. Au moins t'as fini les balles qui te restaient. Non. Bouge. Oh merde. J'ai l'impression qu'ils appellent du renfort. Est-ce que tu veux que je les bute pour que ce soit plus simple à la souris? On prend, sinon prends la souris. Ah bah non, t'as pas la souris. Le jeu automatique, mais des fois. Ah. Ouais, attends, moment, je vais essayer de. Je vais essayer quand même. Ah, bah oui, bah. Je vais pas t'empêcher de jouer. Sauvegarde. Je crois que c'est la mauvaise. Attends. Je sais plus, c'était quand. C'est. Oui, c'est celle-là. Celle-là la plus récente. Oui. Par contre, t'essayes de prendre sa tenue au mec plutôt que de le buter. Pas que de le jeter tout de suite. Vas-y. Non, je vais pas le faire tout de suite. Pourquoi? Ah, tu le gardes pour celui d'après? Pour après. Je crois qu'il va jamais partir, hein, par contre. Sinon, si t'as pas une pièce... Voilà. T'as pas de pièce? Ah merde. Bah jette la canette derrière lui au pire. Ou jette lui la canette dans la gueule. Oh, c'est tellement de violence, quoi. Non, 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 prends ses vêtements. Je me demande si les mecs dehors, ils t'emmerderont moins, peut-être comme ça. Regarde. Ouais. Après dedans, pas sûr. Ouais, j'ai envie de tenter. T'as rien pour. Ah, mais t'as un clou. T'as envie de tenter par l'intérieur?
Y'a un fond, t'as une valve. Recharge avant. Oh! En fait, c'est pas très utile. C'est rare, quoi. What the fuck, c'est inutile ce truc. Totalement pété. Oh, il y avait un stalactite. Genre, les mecs, ils savent que t'es en haut, regarde, ils te pré-shot. Ils ont un wallack. Tiens. Cadeau, gros, je sais que t'as soif. Ouais, on recharge la save. Oui, celle-là. Plus rapide. On va pas passer par l'intérieur, c'est inutile. Si je joue en infiltration plus possible. T'as bien raison. Justement pour ça, je crois que tu t'étais fait repérer tout à l'heure, non? N'oublie pas de l'assommer quand il est à terre. Ça ne sert à rien. Ouais, mais au moins t'as pas froid. Au moins j'ai pas froid. J'aime bien les jeter comme ça. Et oublie pas l'autre, hein. Oui, il était là-bas, oui. C'est vrai que. Il est pas éliminé, tiens. tu dégages. Par contre, ah mais c'est parce qu'ils ont des lampes torches, d'accord. Je me disais pourquoi il y a deux trucs blonds au-dessus de leur tête. Ah, tu peux peut-être découper les chaînes. Regarde si tu peux découper les chaînes. Merci, donc contre eux. Ah. Par contre, le mec, il a vraiment genre, il a vraiment deux gros faisceaux lumineux au-dessus de la tête, quoi. Tu l'as déglingué. Mitraillette, c'est bien. Regarde, il me redonne des munitions. Vas-y, recharge. Non, numéro. Ah, regarde derrière au cas où que les mecs t'aient entendu. C'est un silence. Pas possible. Bon, on sait jamais, hein. Je trouve pas ma touche. Attends, je te la range, moi. Ah, pour recharger. Ouais, je la trouvais pas. Pas 40 balles, quoi. Je vais pas ranger l'arme au cas où. Ça se reconnaît. Bah tu sais pas, ça se trouve ils te reconnaissent pas avec l'arme non en main. Attends, moi je te le arrange si tu veux. Ils sont combien? Ils sont deux. Oh, t'as eu le mauvais. Ouais. Oh bah il sort. Problème résolu. Il
Le mec il se déguise en tout ça. Vraiment que. Y'a un pied de biche! À terre! Non, c'est un pied de biche. Non, derrière toi! À droite! En fait, c'est des pieds de biche cassés, du coup, ça... tu l'as pas pris. Hein? Ah si, autant pour moi. C'est quoi? Des boîtes? Oh! Petit. Vas-y, bah. Non, mais lance une grenade aveuglante, gros. Ah non, ils te reconnaissent pas! Excellent! En plus, ils te saluent tous, quoi! Bah, c'est le chef. Et maintenant tu perces le truc et tu les déglingues tous. Non, je déconne. J'ai quelque chose à dire. Ça va, tu te rapproches de plus en plus du mec quoi. Qu'est-ce que tu fais? Costume là. Costume d'employé de bureau avec un fusil à pompe dans le dos. Pas convaincu. Il m'oblige. Ah, j'ai mal au dos. Je vais avoir du mal. Allez, lâcher. Tu m'étonnes. Ouais, mais attends, au pire, si... Ah, vas-y, ils te reconnaissent plus. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ah. Madame, qu'avez-vous là? Un vieux clou. Un vieux clou? Madame, attention, hein, tétanos. Une arme létale, madame. Je vous la confisque. Votre arme me plaît beaucoup. Vous voulez bien me la donner? Bah tu la tires, tu récupères son flingue. Voulez-vous bien me la prêter, monsieur, s'il vous plaît? J'ai besoin de votre arme. S'il vous plaît, monsieur. Très bien. Je vais devoir la récupérer par la force. I can see. J'hésite. Je vous cache. Je ne vous tue pas, parce que... Parce que je m'en fous. Bon. En vrai. Maintenant qu'on en est là, hein. Ferme la porte derrière lui, au pire. C'est là, hein, écoutez. Hein. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire, autant y aller, arme en main. Une précaution. Bah... Bon, attends, la au moins, au moins elle sera avancée quoi. C'est ça, je vais la déposer ici la précaution. Hop. Voilà. Et là je suis normal. Je suis normal. Ma maman m'a dit que j'étais normal. Une petite vidéo. Oh. Oh, j'ai pété mon tournevis. Mais au moins il y a une fuite d'eau. Oh merde! Je crois qu'il va te repérer quand même. Bonjour. Il va se mettre à te tirer dessus, fais gaffe. T'utilises pas une grenade aveuglante pour un mec quoi. Derrière toi, y'a un mec. Vas-y, bats les couilles. Supplie-moi. Supplie. Non, tu l'assommes. Toi, j'ai pitié. Attends, t'as pitié? Tu viens de lui éclater la gueule avec un bout de verre. Non? Non, mais lui, il a mort. Il a plus de dents, quoi. Par contre, c'est dommage, mais. Attends, je vais récupérer les précautions. Ouais, mais le problème, c'est que là. S'il y a un mec qui rentre dans le bat, t'es mort. Oh, t'as 4 balles de peupon, quoi. J'ai 100 balles de.
En vrai, elle te voit pas. Je la somme. Coup de marteau. Je crois que t'as fait du bruit gros, fais gaffe. Hammer time. Fais gaffe, la troisième. Hammer time. Attends, on va récupérer là, on sait jamais hein. C'est une arme... létale. Attention, je crois qu'il y a un mec derrière, non? Ah non, ok, c'est un truc activé. Ça doit être les freins, ça, non? Ah non, c'est pour détacher les voitures. Oh. Oh. Donc là, maintenant... c'est entre toi et lui. Témoin inconscient x3. Oh, alors ça... essaye de l'avoir coup de marteau au pire. Sinon prends le peupon. T'as 4 balles hein, faut pas te rater. Je t'inquiète. Oh, comme par hasard il est arrivé. Oh bah non, le fusil à pompe il est où? Je l'ai caché dans mon slip. Ah. She'll be able to resist all that power. This is not how people work. She rejects the power, not the responsibility. A noble idea. But please join me in the real world. I trust you already know what this is. Why not simply take it? Embrace who you were always meant to be. To try. Go on then. Do your thing. At least I die knowing who I am. Oh le bâtard. Attends. Je veux pas vérifier. D'accord. What are you doing? This is what it means to lose everything. You're oh. Making a mistake. It's mine to make. Oh. Forgive me, I seem to have, what were we talking about? Don't worry. We were done. Oh. C'est chaud. Il est là. Du coup, t'avais plusieurs possibilités. T'avais la possibilité de le buter, t'avais la possibilité de faire ça. Ouais, je préférais faire ça. Même si c'est. Vous, tu savais absolument pas ce que c'était dans le sérum. Si, c'était pour qu'il perde la mémoire. Ouais. J'ai été. Oh là là. Continue mon petit bout de chemin. À pied. Alors qu'on avait un train. Je préfère marcher. Aller en train, ce n'est pour, c'est que pour les faibles. 5 étoiles. Non. Il y avait 5 étoiles là ? Bah, j'ai pas eu encore. Ah, j'ai eu peur. Elle va pas mourir, elle. Mais non. Bah, c'est quand même servi de nous. Hein. Juste non. Parce qu'on a tué ses parents, quoi, je veux dire. Un an plus tard. That's not who I am anymore. The pact is done. The past. Dead. Maintenant, il chasse le bison. J'ai ma maison, il a construit sa maison dans les bois. C'est comment il s'appelle? C'est Kratos dans God of War. Il est parti en Norvège. Il a trouvé son enfant.
Mais attends, tu ne serais pas mon fils, tu es chauve. Et bah voilà, yeah. On aura terminé la trilogie des Hitman numéro. Moi j'applaudis, hein, parce que vraiment, je le répète à chaque fois qu'on termine, hein. Clap clap, ouais, je le répète à chaque fois qu'on termine un Hitman, et bah du coup les deux dernières fois, mais c'est absolument pas notre type de jeu à la base, et du coup bah je trouve qu'on s'en est plutôt bien démerdé quand même. On était assez... Honnêtement, quand je vois comment on a géré les dernières missions et comment on faisait les premières, gros. Genre les premières où on était en mode vas-y au pire tire-lui dans la gueule et casse-toi. Vraiment, genre on les terminait comme ça. Hein ? Pas trop d'infiltration dans les premières missions. Ouais, totalement. Et puis à partir du 2, on a vraiment commencé à... Bah, en fait, tout le 1, on n'était vraiment pas vraiment en infiltration. On a commencé réellement à faire de l'infiltration dans le 2, et de là dans le 3, on était en full infiltration, quoi. Donc, ouais. Et puis il y avait ce côté aussi où on voulait vraiment essayer d'être repéré par personne. Du coup, on recommençait quand on était repéré par une seule personne. Enfin, il y avait vraiment cette volonté pour nous de bien le faire, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Moi, j'avoue que l'histoire... Alors là, elle m'a pas du tout intéressé. Hein. Bah, j'avoue que l'histoire, en fait, elle est pas... Elle est un peu mise de côté, honnêtement. Ouais. Et elle est pas très intéressante. Et... Moi, t'es pas vraiment immergé dans l'histoire, quoi. On t'a parlé cinématique ou pas dans le 2 avec des petits screenshots que... Voilà, ouais, ça, c'est dommage. Hein. Ça, c'est vraiment dommage ce qu'ils ont fait dans le 2 à faire les screenshots, là. Ça a tout coupé, en fait. Je pense que vraiment, genre dans le 1, on a quand même suivi un petit peu. Enfin, moi, j'avais vraiment bien suivi l'histoire dans le 1. Et en fait, dans le 2, avec les screenshots, moi, ça m'a tué et j'ai pas réussi à suivre, en fait. Donc à partir du 2, vraiment, genre, j'ai totalement lâché l'histoire, quoi. Genre, même là, qu'est-ce qu'on a foutu dans l'immeuble le plus haut du monde, j'en sais rien. Au final, moi, je pensais que la meuf, c'était une méchante. Au final, apparemment, ça l'est pas. Enfin, j'ai rien compris, donc... Bref. Voilà, voilou. On passe ? Oui, tu peux passer, si tu veux. Alors. Attention. Ouais, franchement, je pense que t'as géré. Ouais, mais il y en a moins que l'autre aussi, hein. Dis-toi ça. Regarde, t'en as déjà pas mal, hein. Oh, total d'expérience, 11 500, au moins 3 étoiles, ça. Vas-y, fais suivant. Oh. 3 étoiles. Pile poil. Pile poil, pile poil. Eh ben. Bah, c'était sympa. Moi, j'ai vraiment kiffé, hein. Honnêtement, je pensais pas que j'allais autant apprécier à faire les Hitman que ce que j'ai apprécié à les faire. C'est... Enfin... L'infiltration et tout, moi, en règle générale, en 2 secondes, moi je suis repéré. Donc ça me donnait vraiment pas l'envie de faire ce genre de jeu. Et au final, avec les opportunités, avec... même le gameplay est très intéressant, je trouve, la façon de jouer. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ils ont réussi à m'attraper. Voilà, sinon bah, on n'aurait pas fait les 3. Tu regardes un petit peu les défis parce que tu vas les refaire ? Peut-être. Peut-être, c'est sûr. T'as déjà commencé à refaire le premier du coup pour les défis ou pas du tout ? C'est la première mission à Paris. Ah ouais, t'es en train de les refaire là du coup ? Ah le mec, le boss. Bon, du coup, tu veux faire quoi maintenant ? Et 23h-10. À moins 15. Parce
que... Je vais aller sur quelque chose... Je veux faire quelque chose... Pas spécialement de jeu... en tête. On peut aller sur Left 4 Dead si tu veux. Eh ben si tu veux. Par un petit peu de survie. Bah ouais, tiens pourquoi pas. Ouais. On va Allez. Enfin, on a jamais trop fait de survie. Hop. Bah du coup si quelqu'un veut rejoindre, genre Osman, Floel, si vous voulez rejoindre pour faire de la survie sur Left 4 Dead, n'hésitez pas.